Hey les gens, c'est Drac Survie. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui petite vidéo sur Fortnite. Aujourd'hui petite vidéo et retour de la caméra. Donc j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à mettre la cloche, à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Donc lundi normalement vous avez eu du Far Cry 6 qui est sorti à 17h30. Donc avec ma caméra et tout ça. Donc là je retente avec la caméra si ça bug ou pas. Là je suis avec donc ma caméra principale et Overmedia. Donc je tourne avec deux logiciels en même temps pour voir si ça marche. Hier ça a plutôt bien marché quand j'ai tourné Far Cry 6. Donc à voir. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à mettre la cloche, ça fait toujours plaisir. Et on va se lancer en solo. Donc moi je suis déjà niveau assez bien élevé. Je vais juste... Ah oui c'est vrai. Allez voir pour les quêtes de Kuro. Kuro. Il est où Kuro. Ouais c'est Kuro. Hein. Ouais, c'est bien Kuro. Hop, non c'est Corbeau, ça c'est Kuro, ok. Donc il est anciennement le parc, comme je l'appelle moi. Donc, pas mal de choses. Alors c'est un peu dommage que les trucs orange ne s'apparaissent pas sur la carte principale. Alors à part si c'est un bug, dites-moi en commentaire pour ceux qui jouent encore. Et puis, donc on va sauter là où il est. Anciennement où était Lara Croft. Lara Croft. Alors j'ai pas trouvé tous les personnages. Pour le moment tous les personnages ne sont pas sortis. Je les fais à part hein, moi. Quand ils sortent je les fais. Mais là pour le moment il n'y a pas grand monde. Donc prochain skin que je prends. Vu que je suis en skin super, en SP super chargé. Donc en XP x2. Normalement je prends Carnage. Si je peux je le prends avec vous. Donc voilà. Donc vu qu'en plus de ça ouais, on est en XP super chargé. Obtenir un fusil sniper. Hop. Donc on voit un peu la map. Bon, il y a pas mal de trucs qui ont changé. Il y a beaucoup d'orange maintenant. On voit les cubes apparaître un peu à droite à gauche. Alors moi je suis pas au moment où ils apparaissent, mais il y a pas mal de TikTokers que moi je remercie parce que clairement les TikTokers grâce à eux on peut avoir des news un peu. Un peu sur la map, sur certaines choses, quand voilà, on voit pas mal de cubes qui sont apparus à droite à gauche. Il y a des petits cubes, il y a des gros cubes. Ah, par contre, ça fait super bizarre son filet de... Son filet de symbiote. Bon, allez. Alors, peut-être pas top 1, mais au minimum top 10. Je me donne une marge quand même maintenant. Parce que, bon, top 1, surtout en ce moment, j'ai fait top 1 en solo, en duo et en trio et en section. Et depuis, parce qu'il y en a beaucoup qui campent, il y en a qui se cachent dans les buissons quand on arrive en phase finale ou des trucs comme ça. C'est un peu laborieux. Donc. Alors, qu'est-ce qu'on a? Repéré un adversaire en utilisant un scanner. Ah putain, c'est ces trucs-là. Ouais, et puis de l'avoir tué. Ouais, alors là. Alors moi je fais toujours un peu les défis parce que c'est toujours marrant de faire les défis. Putain, j'ai la connexion qui chute. J'ai rien. Hop, mon shield.
Deux pour le prix d'un. Habituellement, t'en as aucun. Et j'en ai deux pour le prix d'un. Bon, là-bas, il y a une... Il y a la boîte. De toute façon, on va prendre le tremplin après. Je vais quand même prendre le shield pour le moment. Vu que c'est du... Hop. Je crois voir une... Ah merde, je suis des... Je suis con ou... Je croyais que j'avais vu un autre... Bon. Alors petite chose hein, pour les il y a certains défis vous pouvez les faire sur les animaux hein. Comme les cochons ou les ben, les cochons, les raptors et les loups par exemple éliminer un ennemi ou je sais plus trop quoi je pense que ça avec le scanner je pense que ça peut marcher si vous avez un raptor en face de vous ou des trucs comme ça je pense que ça peut marcher donc on va faire le test si on croise un cochon ou si on croise un autre joueur on le fera mais faut pas que je me fasse allumer la tronche. Parce que c'est le plus simple hein, de faire des défis contre des animaux. Il y a certains trucs, vous pouvez les faire si facilement que... Alors les poules ça marche pas, hein. Par contre les poules c'est même pas la peine. Les poupoules. Hop, qu'est-ce qu'on en a? Ah mais attendez. Haha. Est-ce que ça a marché mon défi? J'ai pas l'impression que sur ceux-là ça marche pas là. Mais vu que j'ai la connexion qui chute, donc je peux pas vous dire si ça marche ou quoi. Hop, ça me fait un défi. Infliger des dégâts au fusil d'assaut. Récupérer un scanner. Bah ouais, d'accord, ok. Donc non, ça marche pas contre eux, par contre, je me pose la question si ça marche contre les animaux. Alors c'est bizarre parce que c'est quand même des ennemis, hein, eux. Mais... Perte de connexion, merci. C'est sympa de me refiler le shield que j'ai demandé. On va se déplacer un peu plus vite avec les cubes. Ah putain. Et personne n'est venu là?
Pourquoi il sautait comme un kangourou, lui? Hop. Merci pour le shield. Encore un joueur. On recharge. Tu te lèves? Quoi utiliser un tremplin? Est-ce que j'ai le temps d'aller là? Je pense pas. Hein. Va falloir que je pique une bagnole. Je sais pas si en voiture on peut les sauter les tremplins, oui je pense. Merde! Putain, mais voiture de merde, en plus la connexion se fait chier là. Je sais pas si on peut le prendre le tremplin en bagnole, ça serait marrant. Je pense que oui, hein, mais il va falloir qu'on fonce après à la zone. Ça a marché? Ça a pas marché! Je sens que je regrettais ce que je vais faire. Est-ce que j'ai fait 100 mètres? Non. Pour un? Sérieux? Bon, j'ai des bandages, je sais pas ce qui me... Allez, allez. Ça a construit. Ça a construit. Ah, je suis dégoûté. Puis vu qu'en plus, dans les failles comme ça, il n'y en a pas, c'est dommage. Tête. What? Il s'est passé quoi là? Il s'est passé quoi? J'ai la connexion? J'ai perdu la connexion, maman? D'accord, ok. Bon, bah voilà. Bah voilà. J'ai rien compris là.
La connexion qui a chuté tout de suite et non, j'ai... Ok. J'ai même pas monté de niveau là? Sérieux? Ah, il y a le peu d'XP qu'on a là. Ouais, bon, ben, j'arrive même pas monté de niveau. J'arrive même pas monté d'un niveau. Bon, bah prochain skin, normalement je vais me prendre lui. Après le planeur. Voir le planeur avant et puis le skin après. Mais ouais, je suis bientôt niveau 100. Donc normalement, avec le peu qui me reste, normalement ça devrait être assez rapide. Bon bah les amis, c'est sur ceci qu'on va se laisser. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc je pense que je ne ferai pas de vidéo dessus. Mais une fois que le skin secret sera sorti... je pense que je vous ferai une vidéo un peu particulière. On parlera du skin pour voir un peu tout ça. Parce que, bah, tout compte fait, il nous avait prévu du Naruto et du. Et puis plein de pralines. Et puis, tout compte fait, bah, on n'a pas de Naruto, on n'a pas pas de pralines. Donc, non, c'est un peu dommage quand même. Parce qu'ils font du spoil, du spoil, du spoil. Et il y a beaucoup de personnes, surtout. Alors bon, je regarde certains youtubeurs qui disent ouais, il y aura Naruto, ouais, il y aura machin, il y aura machin. Mais là, sur ce coup, on arrive. Là, moi, on va arriver à la. On va arriver. Donc là, normalement, le skin sort dans 17 jours. Et on a clairement, et que c'est même sûr, que c'est pas Naruto. Donc c'est un peu dommage. C'est un peu dommage de faire du spoil et puis de dire voilà, ça va être Naruto, ça va être machin, ça va être machin. Et puis ben, tout compte fait. C'est ni l'un ni l'autre, donc c'est un peu dommage. Bon, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager et à mettre la cloche. Et on se dit à la prochaine, les gens. C'est Draxurby. Peace!